Dimanche 23 avril, France 3 proposait un nouveau numéro du Grand Slam pendant lequel une séquence pour le moins inattendue a provoqué un fou rire sur le plateau. Télé Loisirs vous propose de la découvrir en images. Moment cocasse dans le Grand Slam diffusé dimanche 23 avril sur France 3. C.I.S. Rémy, l'actuel champion du jeu présenté par Cyril Ferraud qui a été à l'origine d'une séquence surprenante. Lors de la première manche, trois nouveaux candidats s'affrontaient tandis que l'entrepreneur en énergie, en recrutement et en paris sportif tentait de remplir la grille de son côté. L'animateur de 100% Logique pose alors une question sur la star de Formule 1, Lewis Hamilton. Après une première tentative d'un des candidats, et quelques secondes de flottement, Rémy buzz alors qu'il n'est pas censé jouer à ce stade du jeu. Cyril Ferraud, le grand slam, mais il peut buzzer le champion? Pourquoi il a buzzé? Pourquoi vous avez buzzé? Mais il peut buzzer le champion? S'étonne Cyril Ferraud qui semble perdu face à cette situation jamais vue dans l'émission. Rémy avoue alors qu'il ne savait pas qu'il pouvait buzzer et s'excuse de sa maladresse, avant de partir en fou rire au même titre que l'animateur de Slam et le public sur le plateau. Celui qui va également incarner la seconde édition de Quelle sera la meilleure danse folklorique de France, semble avoir du mal à y croire. Il s'approche donc de Rémy pour en avoir le cœur net. En fait, votre buzzer il marche? Ça fait 10 ans qu'on fait cette émission et le buzzer du champion n'a jamais marché, s'exclame-t-il. Amusé, Cyril Ferraud teste alors les buzzers aux côtés de Rémy qui serviront pour la seconde manche du jeu. Je n'ai jamais buzzé dans ma propre émission, déclare-t-il avant de reprendre le cours normal de la partie. Rémy, le champion du Grand Slam, met fin à la malédiction du jeu de France 3. La bonne ambiance sur le plateau s'est poursuivie tout au long du jeu, puisque Rémy, qui participait pour la seconde fois au Grand Slam, est sorti vainqueur face aux autres candidats du jour. Ainsi, il met fin à la malédiction qui frappait le divertissement de France 3. Depuis plusieurs semaines, aucun champion ne dépassait plus d'une victoire, comme cela avait été le cas pour Ingrid qui s'était confiée sur sa déception auprès de Télé Loisirs. Après cette seconde victoire, Rémy totalise 8000 euros de gains dans sa cagnotte et reviendra donc dimanche 30 avril pour tenter de la faire encore grimper. À lire aussi le quiz des champions, que devient Enzo, le plus grand champion de slam ?